Wesh les gars, je me réveille, on est vendredi matin. Normalement, je dois recevoir le volant pour ma nouvelle voiture. On va le recevoir bientôt. Il doit être 9h, 9h30, voire 10h peut-être. Je vais recevoir le volant et va falloir que je monte la voiture en même temps, bien sûr. Et du coup, je vais faire le montage du volant avec vous cet après-midi. On sera accompagné de GG et Alex, donc le couple avec qui je suis allé au championnat de motocross à Saint. Ah bah non, c'est que j'arrivais pas à dire le nom là, voilà, c'est le championnat de motocross avec Saint-Léger de Balzac ou Balzon, je sais plus. Et j'étais avec eux, et voilà, je vais faire ça avec eux cet après-midi, on va les voir. On va faire le déballage du volant tout à l'heure quand je vais le recevoir. J'ai commandé le volant et les moyeux, bien sûr, et je vous spoil pas la voiture, bien sûr, vous la verrez tout à l'heure. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure avec la voiture, soit devant la voiture tout seul, soit avec Jérémy et Alex. Je vous retrouve quand je reçois le volant, allez. Bon les gars, j'ai enfin reçu le colis. Il est exactement midi 2, j'ai tourné la vidéo à 9h et quelques, donc voilà, j'ai attendu un petit moment. J'ai pas trop eu de nouvelles, j'ai pas pu suivre la commande, mais écoutez, le colis est là. On va pouvoir ouvrir ça, c'est parti, je vais le déballer de suite devant vous. On s'en bat les steaks, on va arracher tout ça, on va juste enlever le volant pour vous le montrer, je vais pas faire un unboxing de ouf, parce qu'on va. Le but de la journée, c'est de monter le volant sur la voiture, bien sûr. Allez. Ok, c'est ouvert. On a une petite bulle comme d'hab, comme la chicha. Alors, déjà, pour commencer, on a le moyeu. Le moyeu de la marque HKB. Donc, c'est ce qui va se mettre sur la voiture et qui va pouvoir attacher le volant. Et on a le volant juste ici. Voilà, on va le déballer. Bien sûr, on a des petits papiers. C'est le papier Drift Shop. Donc, moi, vous voyez que j'ai commandé sur Drift Shop le volant. Petite carte. Tranquillote, sympathèque. Et ça va mettre sur la voiture. Je sais pas si je vais le mettre sur la voiture, ça j'en sais rien du tout. Mais c'est pas grave. Les gars, voilà le volant. Comme prévu, c'est celui que je voulais, celui que j'ai commandé. De la marque Sparco, j'ai le petit badge qui se met au milieu du volant, juste ici. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve cet après-midi pour le monter avec GG et Alex. Et puis, c'est bon. Bah on est de retour, GG Alexia, du coup, bah voilà les gars, j'ai complètement zappé. On a déjà tout démonté, MDR. J'ai pas pu vous montrer en vidéo. Et du coup, là, je suis en train de le redémonter. Parce que j'ai le putain de rayon d'airbag qui est activé, sa mère. Et du coup, je vais essayer de l'enlever. Parce que il fait que clignoter. Et du coup, bah forcément, faut le retirer quoi. Du coup, moi, je fais mon volant. Et t'as GG, il est en train d'attaquer son pare-choc. T'as, j'ai tellement serré. J'ai niqué la vis, frérot. C'est bon. Oh, je vais poser 2 secondes parce que sinon. Hop là! Et j'espère que c'est la dernière fois que je le monte. Hein. Ça sent le neuf. Il reste plus qu'une vis. Et après, c'est good. Oh, il y a les balles. Je vais vous montrer la voiture tout à l'heure ou ce soir. Avouez. Bah voilà, le sang, il est comme ça. Voilà, c'est pas un truc détachable. On va le mettre là, tout doucement sur l'autre volant. Voilà, comme ça. Mais est-ce que c'est une voiture sans volant? Là, on peut tourner nickel. Ah, y a pas d'accident, c'est sûr. Alors, faut que je mette. Une truc comme ça pour tromper les airbags en fait apparemment. C'est parti. Voilà, donc vous le branchez comme ça. Donc si ça vous arrive comme moi, parce qu'en fait je l'ai monté le volant, mais vu que j'ai pas encore le moyeu avec airbag, j'ai que le moyeu normal pour l'instant. Mais du coup je l'ai mis, j'ai dû détromper la voiture avec une petite chose comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais ce que c'est. Je me souviens du nom, sauf que là le mot est disparu. Donc voilà, normalement on va faire ça, on va juste ne pas remonter le volant, on va juste tester de rebrancher la batterie pour voir si ça m'arrête de m'afficher le voyant airbag qui est juste là. Et écoutez, on va voir ça. Ça c'est vraiment à la bled hein. Oups, on sort de la voiture. Là aussi il y a des nouvelles jantes et des nouveaux logos Audi aussi. Et regardez, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à Boubou. Salut. Alors les gars, je vous pose juste ici. On va rebrancher ça. Juste la brancher normalement. On va ne pas s'électrocuter de préférence. Voilà, c'est parfait. Et je vous prends. Oh putain, ça marche. Y'a pas le voyant airbag! C'est bon ça! Bon, c'est good, on va pouvoir resserrer ça, fermer ça, remettre le volant.
Oh non, pas le coffre. Ah, petite manette. Oh, petit tour comme ça. Nickel. Bon, là, je remonte le volant. Mais après, ça part sur une grosse chicha sa mère. Hein, Jérém ? Après, ça part sur une chicha. Ouais. T'inquiète. Je mets les vis et c'est bon. Enfin, faut juste que je revisse la batterie après. Ah, je revisse la batterie. Et on met juste là, tiens. Bah nickel. Comme ça, vous tombez entre mon volant, c'est parfait. Faut pas serrer comme un bâtard. Hein. Je suis en train de le rayer, ça me pète les couilles. C'est un volant Sparco. Bah d'ailleurs, vous voyez pas du tout avec le soleil derrière. C'est bien les vis, c'est vis. Tant mieux, c'est le principe des vis. Dernière vis. Dernière vis, moi je dis. Et toi, t'as bientôt fini? Toi aussi, tu dois serrer les vis. Ouais, tu m'étonnes. Parce que sous le pare-choc, vu que la voiture elle est basse, tu m'étonnes. Je sais pas si dans la vidéo on l'entendra, mais. En fait, il est en train de resserrer la lame avant qu'il a reçue hier et qu'on lui a monté. On l'a monté tous ensemble. Il est en train de la resserrer. Sauf que c'est hyper complexe pour passer ses mains en dessous. Et voilà. Putain, il faut bien que je serre parce que si je serre pas assez. Et voilà, comme un con sur l'autoroute, il va avoir dans les mains. Hop. Non, on va rebrancher cette batterie à la con. On a fini de monter le volant et tout, et il a fini de serrer la lame. Du coup, là, on fait petit chicha pour se détendre au calme. Petit chicha doré, la MS. On est en train de l'allumer tranquille, pépère. Oui, normalement, j'étais. Et voilà.